Alors on voit pas comme en plein jour. Les phares, on peut pas parler de réglage parce que bon, on a quand même des faisceaux lumineux qui sont pas assez importants par rapport à la vitesse. Donc faut avoir beaucoup de points de repère de jour déjà. Essayer de retrouver ces points de repère de nuit. Et après, on va dire qu'il y a des zones d'ombre, mais plutôt sur des bouts droits. Et il y a les zones de freinage, on va dire, et de virage eux-mêmes qui sont relativement bien éclairés. Et là, c'est de retrouver ses repères pour garder du rythme et puis apprécier aussi l'air frais qui nous aide un petit peu dans ces conditions, quoi. Ah, c'est vrai que les moteurs marchent un petit peu mieux, donc ça aide un petit peu pour le temps autour. Après, perdre une seconde, ça dépend. Des fois, on voit un petit peu moins bien, on se lâche un peu, on se rend pas compte qu'on rentre un peu plus fort. Donc je pense que ça compense. Normalement, on devrait avoir le même rythme, que ce soit dans le jour ou dans la nuit. Voilà, après, ça dépend. Il y a des pilotes qui sont un peu plus à l'aise, il y a des pilotes qui sont un peu moins à l'aise. Moi, je pense que ça va. On va sûrement rouler un petit peu moins vite parce qu'il y a la fatigue. Il y a, comme tu dis, on prend un peu précaution. Mais non, je pense que c'est assez similaire. Est-ce qu'on voit un pilote plus rapide avec le faisceau de phare venir nous doubler? Principalement les officiels qui ont des éclairages bien plus conséquents. Et là, on les voit rapidement arriver derrière. Ça permet d'ouvrir une petite porte pour pas brider la course, on va dire. Et ça nous fait pas perdre beaucoup de temps, eux non plus. Donc tout le monde est content. Après moi j'espère pas me faire doubler trop aussi. Et non, alors le faisceau c'est un petit peu embêtant parce que en fait on a du mal à savoir si l'autre pilote est proche ou s'il est loin, on le sait pas. Donc dans les virages comme on fait demi-tour par exemple au garage vert, le faisceau se croise et avec les lampadaires et la moto derrière, en fait on a l'impression qu'il nous tourne autour, le pilote de derrière. C'est un petit peu perturbant. Après c'est un coup de main à prendre, vraiment faut pas y penser. Quand on voit une lumière on sait qu'il y a quelqu'un derrière, s'il est plus rapide il nous doublera, donc on fait la même chose et c'est ce qu'il y a de mieux à faire je pense.